Salut à toutes et à tous, ce samedi c'est l'heure du Désert Grand Prix, 4 boucles de 40 km à travers les dunettes pour en finir de cette édition 2010 du Rallye Olibia du Maroc. Attention aux derniers changements de direction, aux erreurs de navigation qui pourraient chambouler la donne des derniers podiums. Tout de suite, place aux images, le Désert Grand Prix. Départ en ligne, 15 par 15 ce matin pour les motards dans une ambiance bon enfant et festive. Une minute. Sans ce maudit waypoint raté mardi lors de la deuxième spéciale, Marc Coma aurait conservé sa couronne marocaine. Mais les 30 minutes perdues dans cette opération ont plombé le chrono total du motard catalan. Reste que le champion du monde 2010 enlève cette ultime étape et finit sur la troisième marche du podium pour la première sortie officielle de la nouvelle 450 Rallye. Un Coma philosophe à l'arrivée. On s'est bien amusé aujourd'hui, il y avait du sable, de la poussière. Bon, je remporte encore la spéciale, c'est vrai que la pénalité de début de semaine nous a fait beaucoup de mal. On a essayé de donner le meilleur chaque jour. Je suis plutôt satisfait, la moto a bien réagi toute la semaine. Cyril Després, l'autre pilote d'usine KTM, lui aussi bien évidemment avec la nouvelle machine de la firme autrichienne, remporte donc son troisième rallye du Maroc, le premier depuis 2003. Le franco-andorran, après une saison plutôt réservée à sa récente paternité, s'impose donc dans ce test grandeur nature, à 2 mois de remettre en jeu son titre sur le Dakar sud-américain. En une petite déconcentration jeudi, Després n'a rien perdu de son efficacité, voilà la concurrence prévenue. C'est pour ça que je me bagarre tous les matins quand je me réveille pendant l'année pour aller m'entraîner. C'est pour des moments comme ça où pendant 6 jours, j'essaie de donner le maximum. Et arriver à gagner un rallye, c'est toujours une énorme satisfaction. Et surtout après pas mal de semaines et de mois à côté de la compétition, je la regardais derrière l'écran, sur les papiers, sur les notes, et là à nouveau je peux prendre part à une course et qui se termine en beauté quoi. Semaine plus que satisfaisante pour Elder Rodriguez sur sa Yamaha, le Lusitanien empoche la deuxième place finale à Zagora et s'impose logiquement comme l'un des favoris pour le podium du prochain Dakar. Quatrième l'an passé à Buenos Aires, soit le meilleur résultat d'un motard portugais sur le Dakar, Elder est loin d'être rassasié. Semaine contrastée pour Olivier Pin sur sa nouvelle Yamaha 450 YZ Cross. Lui qui n'avait pas roulé le moindre mètre avec cette moto a longtemps cru tenir une place sur ce podium marocain. Mais ses soucis de réservoir d'essence de vendredi le font reculer à la 7ème place finale. Il reste certes du pain sur la planche, mais dans un avenir proche, le pilote de Saint-Martin de Saint-Mexant pourrait mener à la baguette le plateau moto. Je pense que c'est quand même un bilan positif avec cette nouvelle 450 YZF à injection. Donc on est là, on a fait toutes les étapes. Il y a eu quelques petits soucis, mais je pense que c'est normal quand on se lance sur un proto. Et puis en ayant roulé une heure, je pense que ça a été aussi au niveau performance. Après, bon, j'ai eu un petit ennui technique hier qui m'a fait perdre ma 4ème place. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Aujourd'hui, je me suis bien fait plaisir. Et puis toujours essayer de repousser les limites de la moto avec les dunes très rapides, surtout qu'on connaissait, on pouvait encore attaquer un peu plus. Et voilà, donc c'est un bilan quand même positif en vue du Dakar. Un mot également du Marocain Rit Gabari, 10ème du classement final et vainqueur de la catégorie production sur sa Yamaha. Le motard d'Agadir signe une performance d'éclat et va se préparer désormais pour son premier Dakar, un événement pour l'ensemble du motocyclisme arabe. Ah oui, je suis très content de ma semaine, j'ai pu garder ma place dès le premier jour. J'étais régulier tout au long de la course, je gérais ma course bien comme il faut, ne pas se perdre, surtout ne pas tomber. Voilà, je suis très content de faire aussi premier production et premier marocain. Ça fait plaisir. Mission accomplie pour Pascal Delec. Le quadeur normand a quasiment dominé de bout en bout ce rallye du Maroc sur son Polaris du team Nomade. Après un podium en Sardaigne en juin, Delec semble se piquer au jeu et rêve éveillé.
12e place scratch finale. Un exploit. Pour mon premier rallye en Afrique, c'est vraiment... j'ai pas de mots pour l'expliquer. Aujourd'hui, j'ai roulé correctement. Je voulais absolument être premier parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière et c'était important pour moi. Et les deux nouvelles KTM 450 Rally sur le podium, intercalé Elder Rodriguez sur sa Yamaha, Jakub Przygonski sur la grosse 690 KTM, finit quatrième devant Villadom sur Yamaha et Verhoeven sur BMW. Si les motards se sont élancés 15 par 15 pour ce désert Grand Prix, les autos, elles, partaient 4 par 4 dans l'ordre du classement général. Sprint ultra spectaculaire sur l'interminable ligne droite inaugurale. Les spectateurs se régalent, nous également. Disposant de quasiment une heure d'avance, Stéphane Peter Hansel et Jean-Paul Cotret n'ont pas résisté à l'appel du sable. Nouvelle victoire de spécial pour parachever un troisième sacre marocain pour l'équipage tenant du titre. Le mot d'ordre chez BMW pour cette ultime étape, ne pas endommager les voitures partant sur le Dakar. Reste que cette semaine de préparation dans le Grand Sud marocain s'achève en apothéose pour le roi Peter. C'est-à-dire que si on avait eu plein de problèmes techniques, on passerait les deux prochains mois un peu inquiets. Mais alors là, on va pouvoir préparer la voiture et bien. Donc on n'a plus rien à faire. On va pouvoir se préparer, continuer à se préparer physiquement pour arriver vraiment en pleine forme pour le Dakar et super confiant pour le prochain Dakar. Si le Russe Leonid Novitski et le Polonais Krzysztof Olowczyk n'étaient séparés que par 51 petites secondes ce matin, pour l'attribution de la place de dauphin de Peter Hansel, les deux pilotes venant du froid n'ont pas bataillé outre mesure suite aux consignes de leur manager Sven Quandt, l'éminence grise du Team X-Red. Novitski ramène une énième deuxième place dans ses valises. Olowczyk, lui, peut être satisfait de sa première sortie au volant de son nouveau bolide. Jérôme Pélichet a réussi un petit exploit cette semaine, prendre la quatrième place malgré la présence de 5 BMW X3. Et ce, sur un véhicule qu'il découvrait, un Springbok du MD Rally Sport, en lieu et place de son Bowler Wildcat habituel. Le pilote de l'un est un compétiteur né et va désormais se focaliser sur l'Africa Race, lui qui avait pris la deuxième place en janvier dernier à Dakar. Alors l'avenir très proche, c'est bien sûr l'Africa Race. On a fait l'année dernière, on a été enchantés. Et cette année, on repart avec notre équipe, sûrement sur peut-être une voiture différente aussi, à voir. Mais ça sera très vite là. Sans surprise, podium 100% BMW, Peter Hansel devant Novitski et Olowczyk. Jérôme Pélichet donc premier pilote non-usine. Et Guerlain Chichry remonte en 5e place, juste devant Patrick Sirejol sur son Bowler. La cause semblait entendue depuis quelques jours. Elisabeth et Giacinto remportent haut la main la catégorie camion sur son MAN, terminant même à la 11e place scratch finale. Déjà sacrée en Tunisie en mai dernier, la Portugaise connaît définitivement une saison faste. Je suis vraiment content parce que je travaille depuis beaucoup de temps pour arriver à une bonne position. Pas seulement être le camion, mais bien sûr être la voiture. Je suis très content d'avoir une bonne place. Et bien voilà, cette édition 2010 du Rallye All Libya du Maroc se termine. Une édition très variée. On s'est régalé tout au long de la semaine avec des paysages somptueux et des luttes jusqu'à la fin pour les différents podiums. À mes côtés, le directeur de ce Rallye All Libya du Maroc, Stéphane Clerc. Une semaine, j'imagine, plus que satisfaisante pour vous. Oui, une semaine riche en émotions, avec de la bagarre, du vrai sport, avec... tant chez les motos que chez les voitures, de vraies belles bagarres au classement. Et puis toujours cette convivialité entre les pros et les amateurs qui nous ravit, avec aujourd'hui une formule inédite, un grand prix en 4 tours, ce qui s'était jamais vu en rallye raid. Donc une belle semaine de course. Que nous réserve NPO pour la saison prochaine? Le rallye Tunis, ce sera toujours courant mai? Oui, première semaine de mai, le rallye de Tunisie, sans doute en Coupe du Monde et Championnat du Monde moto, avec là aussi des formules un peu inédites, peut-être des étapes en boucle, on est en train d'étudier ça.
Avec ces nouvelles règles de navigation, on a vu aussi, notamment en moto, les nouvelles KTM 450. Ça faisait pas mal de riches choses pour cette fin de saison et puis la préparation des rallyes marathons du début de l'année. Oui, je crois que le rallye Oil Libya du Maroc a vraiment eu de l'intérêt pour les équipes qui préparent les rallyes de janvier. D'abord, ces nouvelles règles de navigation qui, pour nous, sont vraiment très intéressantes parce qu'il y a de la bagarre. Les navigateurs retrouvent de l'intérêt, du travail. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, oui, les nouvelles motos, je crois qu'elles sont déjà au point. On l'a vu avec une belle démonstration des KTM. Et puis Yamaha qui apparaît quand même dans le trio de tête avec la seconde place. Donc je pense qu'il y aura de belles bagarres sur les prochains rallyes. Merci Stéphane, merci pour ce tracé. C'est vrai qu'on s'est régalé, hein, amis téléspectateurs, tout au long de cette semaine avec des belles luttes. On se retrouvera, nous, cet hiver pour le trophée Andros. Début janvier, ça sera l'Africa Eco-Race en rallye raid. Et puis, donc, au mois de mai, le rallye Oil Libya de Tunisie. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ciao.